Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, faites pas attention à ma tête, il fait un vent de diable dehors. La tempête, la nouvelle tempête arrive. Il pleut à verse, il fait du vent ici dans le nord. Et là, je viens de sortir 2 minutes à ma boîte aux lettres pour voir s'il y avait du courrier. Et puis, ça y est, je suis tout décoiffée. Ouh là là. Ça y est, je suis folle. Une petite vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai marqué « Les gens sont fous ». Oui. Ils sont fous quand et où ? Bah, à Action. Voilà. Je suis allée à Action ce matin, j'avais besoin d'une boîte. Et en même temps, je voulais voir s'il y avait les aquamarqueurs. Bon, malgré qu'en ce moment, j'avais dit, hein, j'achèterai rien ce mois-ci. Mais bon, j'étais sage, très sage. De toute façon, je ne peux pas autrement. Et donc, je disais, les gens sont fous. Surtout au rayon loisirs créatifs. Hein. Malgré que bah, je ne pensais pas que chez moi, il y en avait aussi. parce que, bon, je vous montrerai le reste après. Voilà, j'ai pris ça. Alors, j'ai mon petit ticket en même temps quelque part pour vous dire les prix. Hop, qui était tout mouillé, je l'ai mis à sécher. Ah oui, parce qu'en plus j'ai eu la verse sur le dos ce matin en y allant, malgré que j'étais en voiture. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Alors, c'est pas des nouveaux puisqu'on a, j'avais déjà acheté des, vous voyez, des comme ça. Hein, vous voyez, c'est le même emballage. À peu près, mais donc ça c'était une couleur blanche et dorée, et il y en a donc j'en ai pris 2 paquets, et il y en avait ces deux là, et il restait 2 autres paquets, donc toujours blanc et doré, mais avec l'écriture comics, vous savez, et je voulais les prendre. Donc, le temps que je prends ça, que je le mets dans mon panier, je me repenche. Je fais pour prendre. J'avais la main dans le rayon. Hein. J'avais la main dans le rayon. Je l'ai fait pour les prendre. J'ai vu une main débouler. J'ai vu une main débouler en dessous de la mienne. Et puis qui les a pris. Mais alors, je vous jure, comme ça. J'ai regardé la bonne femme. J'ai dit, oula, ça mord ces bêtes-là. J'ai dit, mais complètement barjot, la bonne femme. J'y aurais laissé, hein. Moi, les stickers, c'était pas la peine d'être aussi agressive. mais vraiment, et après, elle est restée à côté de moi. Je crois qu'elle était en train de surveiller ce que j'allais prendre. Elle allait sûrement continuer à me prendre les choses que je voulais. Mais à la vitesse où elle a été, pourtant, moi, j'avais déjà, je vous jure, j'avais la main dans le rayon. Elle, elle l'avait pas encore. Hein. Elle a été plus vite que moi. Mais ils sont complètement barjots, les mecs. Enfin, là, les mecs, là, c'est une bonne femme. Mais il faut se calmer, hein, Action. C'est pas en or, hein. C'est juste du papier. Ça coûte, voilà, c'est... Mais... Oula. Moi, je sais pas, j'ai jamais sauté sur les rayons pour prendre un truc. Parce que je voyais qu'il y avait déjà des personnes, je ne vais pas sauter sur les gens pour prendre un truc dans le rayon. S'il y a une personne qui le prend avant moi, bon, bah, tant mieux pour elle, hein, tant pis pour moi, puis c'est tout. Mais là, limite agressive, la bonne femme. En plus, elle était accroupie par terre, j'avais envie de lui donner un coup de cul pour la faire tomber. Ah ouais, non, mais... Ah, j'ai halluciné. Pourtant, moi, c'est un village. Hein. Enfin, c'est un gros village. Mais je suis complètement à la masse. Enfin. Alors, du coup, bah, je ne les ai pas eu, hein, les comics. Mais bon, tant pis, hein, je m'en fiche. J'ai eu ceux-là. Voilà. Elle les a pas eu. Nanana. Ah, je vous jure. Bon. Alors, combien j'ai payé ça? Je ne sais même pas. Si. Alors, c'était 74 centimes en plus pour 74 centimes. On se bagarrait. 74 centimes la planche. Voilà. Donc, moi, ça, je les prends toujours par deux. Hein, parce que, bah, comme ça, j'ai assez de lettres pour faire des mots.
en entier. Et donc, comme je vous disais, j'y suis allée d'abord pour aller chercher une boîte, c'est pour ranger toutes les brosses, les peignes, les ciseaux de mes poilus. Parce que tout est sur une étagère dans la salle de bain. Et à la longue, ça, c'est toujours en vrac, il y a toujours des poils, il reste toujours un peu de poils sur les brosses, et donc ça tombe dans la salle de bain, c'est chiant. Donc là, j'ai tout rangé, je suis tranquille. Donc la boîte, je ne vous la montre pas, hein, c'est les boîtes en plastique transparente avec le couvercle, voilà, à 1,99 €. Voilà. Et donc j'étais voir pour avoir les aquamarqueurs, mais là, sniff, il n'y avait plus qu'une boîte. Mais elle m'a dit qu'elle allait en recevoir. Donc elle savait pas. Il y avait un camion qui était derrière le magasin. Mais elle savait pas s'il y en avait dans le camion. Donc je n'allais pas attendre hein, qu'ils aient déchargé. Hein. Je suis pas folle à ce point-là. Donc j'y retournerai demain ou après-demain ou bon, dans la semaine, je verrai bien. Donc là, moi, j'ai eu la série des marrons. Comme ça, marron et gris. Là. Donc ils sont à 1,89 €. Donc, c'est les marqueurs d'aquarelle, hein, pour celles qui ne connaissent pas. C'est les feutres aquarellables. Donc, j'essaierai, je verrai ce que ça donne. D'ailleurs, bah, comme j'ai qu'une boîte déjà, ça me permettra quand même d'essayer, de voir si ça vaut vraiment le coup. De ne pas acheter les autres boîtes si vraiment ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, ça, c'était bien 1,89 €. Donc, les aquamarqueurs. Avec deux pointes. Voilà, donc il y a deux pointes. Je vais vous montrer pour celles qui ne les ont pas encore vues. Je parie qu'ils vont sortir après. Ils vont ressortir la grande boîte en plus. Hein, mais bon. Donc, la pointe fine, comme ça. Et la pointe broche. Ah voilà. Voilà, plus grosse. Donc j'espère qu'il n'y en a pas d'abîmé dedans, comme j'ai eu le tour avec les feutres à alcool. En fin de compte, comme j'en ai eu des abîmés dans les feutres à alcool, les derniers, là, ils sont là. Je voulais revendre les anciens, mais du coup, je les ai gardés. Parce que bah, comme il y en a qui sont abîmés dans l'autre, je les ai gardés. Ensuite, alors j'ai vu qu'il y avait ça. Par contre, ça, j'ai vu que le code barre était barré. Donc ça, une fois qu'il n'y en a plus en rayon, il n'y en aura plus. C'est les feutres comme ceci. Voilà. Donc, c'est des feutres avec une pointe de 0,5 mm. Voilà. Alors, j'ai vu quatre boîtes, quatre paquets différents. Donc, je ne sais pas s'il y en a quatre. Ah, j'ai eu peur, je croyais que je m'étais trompée. J'avais pris deux fois les mêmes. Alors, voilà déjà les deux premiers. Et les deux autres. Voilà. Alors je ne sais pas, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Dites-le moi en commentaire. Derrière, c'est pas marqué, hein, non. Non. Parce que bon, il y en avait dans le rayon. Et après, au rayon peinture, ils avaient mis un grand bac avec tous ces feutres-là dedans. Et aussi les feutres qui font effet métallique. Mais là, bon, j'avais pas assez de sous. J'aurais voulu me les prendre, mais bon, j'aurais pas eu assez de sous pour me les prendre aussi. Donc, j'ai fait un choix. J'ai pris ceux-là, en espérant qu'ils vont bien aussi. Et donc, je vais en ouvrir un pour essayer. Bon, je vais ouvrir n'importe lequel. Hein. C'est juste pour essayer la pointe. Je prends un petit bout de papier. Ah oui, ça fait comme un pinceau au bout. Regardez. Voilà. Ça fait comme un pinceau. Alors, je vais écrire mon prénom. Voilà.
pas mal. Donc oui, c'est un pinceau. C'est un pinceau feutre. Donc voir que la pointe va pas s'abîmer trop. Donc je peux quand même faire des fins traits. Bon, pas trop. Voilà, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Bon. On verra. Donc pour une lisse du 0,5 mm, oui. On verra l'usage. Et donc je ne sais pas s'il y en a plus ou pas. Et là, les marqueurs, ben, je verrai. Mais c'est pareil, les marqueurs, là, je sais qu'ils ont déjà barré le code barre aussi. Donc il n'y en aura plus. Alors ça, ces feutres-là, enfin ces feutres pinceaux, ils sont à 1,45 €. Voilà. Et dernière chose que j'ai pris, vous voyez, j'étais sage. Hein. Ben, j'étais surtout aussi à Action pour une copine, voir des choses. J'ai pris, alors là, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait que celui-là qui me plaisait. Le papier scrap. Alors, je vais vous montrer. Non, je vais bien me mettre pour que vous voyez bien. Celui-là est beau, avec les petites écritures. Là aussi, c'est écrit en... C'est une écriture... Comment on appelle ça? Pas une écriture, écriture juive, mais c'est un nom hébreu. Voilà, c'est écrit, je crois que c'est écrit comme de l'hébreu. Bon, les petits pois, celui-là est beau, noir et blanc. Bon, il y en a certains qu'il faut savoir placer. Hein. Celui-là est beau. Allez. Les partitions. Voilà, vous avez vu le recto, maintenant le verso. Non, il y a quand même deux unis. Voilà. Donc voilà. Bon, il est joli. Bon, il y en a certains qu'il faut réussir à placer parce que c'est quand même des grosses fleurs. Mais bon, en s'en servant de fond et puis en mettant d'autres papiers sur le devant, ça doit aller. Je verrai. Mais là, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait peut-être 6-7 blocs, c'est tout. Et puis, il y avait des blocs 15-30, mais là, j'ai pas regardé. Il y avait une femme qui était dessus aussi, accroupie devant les 15-30. C'est à moi les 15-30. Ne regardez pas. Donc, je n'ai pas insisté. J'avais autre chose à faire que de perdre mon temps. Voilà, j'irai... quand je pourrai y retourner, je regarderai, mais en y allant à l'ouverture, c'est mieux. Donc voilà, c'était juste ça, puis juste raconter ce petit truc qui en fin de compte me fait rigoler parce que c'est toujours marrant de voir ces personnes là sauter sur la marchandise comme si elles avaient trouvé le Graal. Mais bon, donc voilà. Donc ben, j'avais dit que j'achèterais rien. Hein. Bon, j'ai comme mon mari me dit, ben, t'as rien acheté. Hein, Action, ben non, non, mais bon, comme j'avais fait quelques petites ventes là ces derniers jours sur ma boutique, bon, je me suis quand même permis de un petit peu de me faire un peu plaisir, ça me fait du bien. Donc voilà,
Dites-moi si vous avez déjà ces feutres-là, ce que vous en pensez. Et puis si vous avez les aquamarqueurs, ce que vous en pensez également. Moi, je vous dis, avant d'aller chercher les autres boîtes, je vais essayer. Comme ça m'évitera d'acheter si je trouve que c'est pas bien. Et... Mais en fin de compte, c'est ce que je crois que c'est ce qui est... 1, 2, 3. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est peut-être acheter qu'une boîte, l'essayer. Et puis, si vraiment on est content, aller chercher les autres. Voilà. Au lieu de d'acheter toute la série et puis ne pas en être content. Voilà, là, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais en fin de compte, bon, ça va, ça a l'air de me plaire. Voilà. Allez, vous avez plein de vidéos hein, en ce moment. Vous êtes gâtés. Oh là là. Ah, il y a le soleil qui revient. Mais le vent est toujours là. Bon, je vais aller me délasser un petit peu en finissant mon DP. Voilà, j'arrive à la fin de mon Bouddha. Je ne vois plus que du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc sur mon DP. Je n'ai plus que des perles blanches à mettre. Donc, c'est un peu long. Donc, je fais morceau par morceau. Mais là, il me reste quoi? 20 cm sur 15. Donc ça va aller. On arrive au bout, vous allez pouvoir bientôt le voir. Je finirai les derniers centimètres avec vous. Et comme ça, vous pourrez le voir. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À bisous, bisous. À bientôt.